recharger toute l'énergie dont vous avez besoin. Lorsqu'il pleut, comme maintenant, et que j'ouvre le rideau, j'ai pas envie de sortir. Je n'ai qu'une idée en tête, c'est me blottir sous ma couette. Je ne sais pas si cela vous fait le même effet, mais j'aime. Maintenant, je vais vous demander de vous installer confortablement, de choisir la position idéale qui va vous permettre d'entrer dans le sommeil que vous êtes venu chercher. Vous pouvez bouger, vous pouvez vous étirer, mais choisissez la place qui va vous permettre d'entrer dans le sommeil. Prenez le temps que vous voulez. Il se peut qu'il y ait des bruits de voiture, des bruits d'avion, des bruits d'oiseaux, des bruits de pluie, peu importe les sons, peu importe les bruits que vous allez entendre. Vous allez rester focalisé sur ma voix. Et tous les sons que vous allez entendre, tous les bruits que vous allez entendre, vont vous permettre de vous endormir encore plus facilement, encore plus rapidement. Il se peut parfois que un mot ou une phrase ne vous convient pas. Modifiez ce mot, modifiez cette phrase pour l'adapter au mieux à vous. Vous allez garder uniquement ce qui est bon pour vous. Vous ne gardez que le meilleur. L'objectif ici étant de dormir tout simplement. Nous allons d'abord faire ce que nous appelons un scan body. C'est-à-dire que nous allons scanner votre corps juste pour détendre tous les muscles. Lorsque le corps se détend, les pensées s'apaisent, finissent par disparaître, et le sommeil devient plus profond et plus facile. Si vous êtes d'accord avec ça, alors c'est parti. Alors à présent que vous êtes confortablement installé, peut-être vous installer encore plus confortablement pour entrer encore plus facilement dans la phase de sommeil que vous êtes venu chercher. Remarquez de quelle manière votre corps est positionné sur le support sur lequel il est positionné. Remarquez le contact de votre corps sur le matelas, sur le fauteuil ou sur la chaise. Remarquez juste de quelle manière votre corps
encore est installé. Peut-être que vous pouvez maintenant fermer les yeux. Il est vrai que pour dormir, c'est plus facile quand on a les yeux fermés. Fermez les yeux. Et laissez-vous juste. Sur vos yeux et vos paupières et remarquez comment les tensions disparaissent lorsque les yeux sont fermés. En fait, c'est comme si fermer les yeux était libérateur, comme si fermer les yeux permettait juste de se détendre complètement, de se dire que c'est le moment de s'endormir, c'est le moment de partir au pays du sommeil. Maintenant, portez votre attention sur tout le corps, tous les muscles du corps, et remarquez quelle est la partie de votre corps, quels sont les muscles qui vous attirent. Lorsque l'on s'intéresse aux muscles du corps, il y a toujours une partie de muscles qui nous attire, qui attire notre attention. Parfois c'est les jambes, parfois les tibias, parfois ce sont les genoux, parfois les cuisses, parfois ce sont les muscles des bras. La nuque ou parfois la tête. Remarquez quel est le groupe de muscles qui vous attire le plus, car vous sentez que les muscles sont en phase de mouvement, comme si une légère douleur était en train de s'apaiser. Parfois ça se manifeste par un sentiment de lourdeur, de légèreté, parfois même on a l'impression de sentir un petit crépitement à l'intérieur. Il y a même des personnes qui ressentent tout en même temps. Je ne sais pas de quelle manière c'est en train de se manifester pour vous, mais portez votre attention sur ce groupe de muscles qui est en train de se détendre, car lorsque cela est en train de se passer, c'est que la détente est en train de s'opérer de manière naturelle et efficace. Restez attentif à ces mouvements qui sont en train de s'opérer dans votre corps. Maintenant, une fois que vous avez concentré toute votre attention sur ce groupe de muscles, peut-être que maintenant vous pouvez juste demander aux autres parties de se connecter et que l'effet devienne général à l'ensemble du corps. Les parties qui sont en train de se détendre appellent les parties à se détendre. Je me demande d'ailleurs si c'est plutôt du côté gauche où la détente est en train de s'installer profondément ou si c'est plutôt du côté droite. Prenez le temps nécessaire pour détendre toutes les parties du corps. Et alors que vous restez attentif à tout ce que vous percevez,
la manière dont votre corps se détend. Soit des petits frémissements, soit de la légèreté, soit de la lourdeur. Je ne sais pas de quelle manière c'est en train de se manifester, mais vous pouvez déjà le ressentir. Et vous ressentez avec les bienfaits que cela apporte à votre corps et votre esprit. Respiration. Au fur et à mesure que votre corps se détend, votre respiration devient de plus en plus calme. C'est comme si les parties du corps, les muscles qui se détendent, demandaient à la respiration de respirer tranquillement. De manière calme, posée, à votre rythme. Et chaque muscle qui se détend, détend le reste des muscles. Plutôt la partie droite, plutôt la partie gauche, peut-être les muscles du bas du corps, peut-être les muscles du haut. Mais chaque partie appelle l'autre partie à se détendre complètement. Et si vous portez attention à votre tête, remarquez juste les points d'appui de votre tête sur le support sur lequel votre tête est posée. Et remarquez que lorsque vous portez votre attention sur les points d'appui, sur votre tête. Alors, les muscles de la nuque, des épaules, de la tête, se détendent complètement. Ça peut se manifester par un petit relâchement. C'est comme si les tensions disparaissent maintenant, de manière naturelle. Et à votre rythme. Tranquillement, vous portez votre attention juste sur les muscles du corps qui se détendent. Peut-être que maintenant vous pouvez porter votre attention sur le dos, sur le bas du dos, et faites comme si les muscles étaient en train de se détendre complètement. Et remarquez que lorsque vous portez votre attention sur la zone que vous voulez, alors la détente s'amplifie de manière naturelle. Vous pouvez remonter votre attention sur le haut du dos. Parfois, on peut ressentir une sensation de chaleur très très légère et très très agréable. C'est comme si la chaleur était en train de détendre toute la partie du dos et le dos complètement se détend. Comme si cette chaleur était en train de se diffuser dans tout le corps et qu'elle apportait un bien-être incroyable à l'intérieur du corps. Une sensation très très agréable. Une sensation
sa totalité, dans sa globalité. Et ressentez de quelle manière le corps est en train de se détendre et de quelle manière cette chaleur très agréable se diffuse dans le corps et les pensées qui s'apaisent complètement. Et pendant que vous m'écoutez, que votre corps se détend, que vos pensées s'apaisent, votre corps tout entier se détend dans sa globalité maintenant. Maintenant, vous pouvez juste laisser votre esprit, laisser vos pensées se promener, aller faire un voyage, comme lorsque l'on fait un rêve. Les images viennent à nous de manière naturelle, puis il se construit une histoire. Cette histoire, c'est votre histoire, et vous ne gardez en vous que ce qui vous plaît. Vous n'allez que là où vous voulez aller, là où vous êtes. Vous allez construire un rêve merveilleux. Parfois, il y a des rêves qui nous permettent juste de comprendre une situation bien précise. Peut-être que vous pouvez maintenant laisser votre rêve venir et s'installer et qu'il vous apporte la clé que vous attendiez. Je ne sais pas quelle est la nature de ce rêve. Mais regardez autour de vous en ayant les yeux fermés. Regardez ce qu'il y a à voir. Écoutez ce qu'il y a à entendre. Goûtez ce qu'il y a à goûter. Percevez ce qu'il y a à percevoir. Laissez votre esprit juste aller à son rythme tranquillement. Et remarquez que lorsque vous laissez les images venir à vous, alors la détente devient encore plus profonde. Et la pluie qui tombe, ce bruit d'eau, vous permet de vous détendre encore plus profondément. C'est comme si la pluie que vous entendez maintenant avait le pouvoir de vous faire dormir complètement et totalement. Et plus je vais espacer les mots, espacer les phrases, plus vous allez vous concentrer sur le son et le bruit de la pluie, et plus vous allez vous endormir sereinement. C'est comme si cette pluie avait le pouvoir de vous faire de votre corps et de votre esprit, car vous savez précisément ce qui est bon pour vous, et vous savez que vous ne prenez que ce qui est bon pour vous.
Si vous avez déjà commencé à votre rêve, alors laissez venir les images. Laissez les couleurs intégrer votre esprit, intégrer votre espace. Intéressez-vous aux formes que vous voyez. Vous êtes déjà parti dans un rêve, que des images viennent à vous, laissez-les venir, car vous savez que tout est bon pour vous, que vous êtes au bon endroit, au bon moment pour vous endormir et vous laisser juste partir dans les bras de Morphée. C'est comme si vous étiez dans un cocon, entre de bonnes mains. Vous savez que vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment. Vous savez que vous ne gardez que le meilleur pour vous. Et que du coup, vous pouvez juste vous laisser aller pour vous endormir. Avez-vous remarqué que les bébés s'endorment? Ils sont rassurés, ils savent que maman est là, ou papa, ils savent que ils peuvent dormir tranquillement, car quelqu'un est là pour les surveiller. Imaginez juste que la voix que vous entendez maintenant est là juste pour vous accompagner et vous endormir, et les sons de pluie. Les bruits de pluie apaisent votre corps et votre esprit et vous permettent juste d'entrer dans un sommeil profond et réparateur. Et si vous commencez à voir des images apparaître, alors laissez-les venir, comme si vous étiez devant un écran, et chaque image va vous permettre juste d'entrer dans l'état de sommeil que vous désirez. Accordez-vous juste la possibilité. Et si vous êtes déjà endormi, vous êtes déjà en train de dormir, alors dormez maintenant profondément. Si vous avez encore besoin de vous faire accompagner par ma voix, alors restez juste attentif à la manière dont le sommeil est en train de s'installer dans votre corps et votre esprit. Portez votre attention au niveau des paupières et remarquez juste comment les paupières deviennent de plus en plus lourdes, comme si elles refusaient de s'ouvrir, comme si maintenant le choix
envie de dormir était plus forte, beaucoup plus présente, comme s'il était impossible de résister au sommeil, les paupières qui deviennent de plus en plus lourdes, et il devient impossible de les ouvrir. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est vous endormir, dormir profondément. Vous savez que vous êtes accompagné comme cet enfant que vous avez été un jour, qui pouvait dormir sereinement à n'importe quel moment de la journée, n'importe quel endroit. Il suffit juste de fermer les yeux, de sentir la lourdeur ou la légèreté dans les paupières, et de dormir. Sommeil enfle. C'est comme si les gouttes de pluie qui tombaient, cette eau qui ruisselle, nous emmenaient vers le sommeil tant attendu et qui est là, devant. Je m'endors maintenant. Mon sommeil song.